Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Encore merci de m'accueillir dans ton véhicule, dans ta cuisine, dans ton salon, dans ta salle à manger, peut-être sur le lit d'hôpital où tu es. Et si tu es sur un lit d'hôpital, je prie pour que tu sortes au plus vite de cet hôpital au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur encore pour ce frère et cette sœur qui est en train d'écouter cette méditation, qui est fidèle au poste, qui écoute. Merci Seigneur parce que tu passes outre les dénominations, tu passes outre notre confession. Seigneur, tu t'es racheté un peuple, tu t'es acquis un peuple. Et aujourd'hui, 27 janvier, j'aimerais vous lire un texte de l'Écriture qui se trouve dans Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Jésus les guérit tous ». Le titre de cette méditation est fort, n'est-ce pas? Comme est fort ce texte biblique que nous avons lu ensemble. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Que fit Jésus de cette onction du Saint-Esprit et de force? On l'a lu, je l'ai répété, et je voudrais qu'aujourd'hui ce soit le réma pour vous, mon frère, ma sœur. Il alla de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. D'abord, cette écriture nous raconte que chaque personne fut guérie. Les paroles « chaque » et « tous » sont interchangeables. Nous ne pouvons pas les extraire, nous ne pouvons pas les effacer. Jésus guérit chaque et tous. Chaque et tous. Regardez le texte biblique qui est là. Chaque et tous. Deuxièmement, nous apprenons que la maladie est une oppression du diable. À la lumière de ce texte biblique, Satan est l'oppresseur, mais Jésus est le libérateur. Satan est l'oppresseur, mais Jésus est celui qui guérit. Nous savons à partir de cette écriture que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il ne veut pas que son Église soit sous l'oppression du diable. Acte 10, 38 nous révèle la source de la maladie. Même si nous n'avions pas d'autres écritures sur lesquelles baser notre assurance, ce texte nous dit que la maladie vient de Satan, et que Satan est l'auteur de la maladie. Le docteur John Alexander Dowie remarqua, « La maladie est l'enfant terrible de son père, Satan et de sa mère péché. » Je répète, « La maladie est l'enfant terrible de son père, Satan, et de sa mère péché. » Voilà d'où elle vient. Et depuis le moment de la trahison suprême d'Adam au jardin d'Éden, un fleuve de maladie et de souffrance se déverse sur la famille humaine. Mais à travers l'Ancien Testament ainsi que le Nouveau, Dieu pourvoit à stopper ce fléau. Combien je suis content d'avoir découvert que la maladie et l'infirmité sont du diable. Je ne posséderai rien qui appartient au diable. Je n'accepterai aucune maladie ou infirmité dans ma vie, mon frère, ma sœur. La maladie peut te toucher, mon frère, ma sœur, mais ne l'accepte pas. Dis non à cette maladie, parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Même si j'ai entendu des témoignages, entre guillemets témoignages, qui pourraient dire que Dieu, au travers cette épreuve qu'il a permise dans ma vie, je me suis rapproché de Dieu. Vous croyez sincèrement
que Dieu utilise des instruments de l'ennemi pour vous bénir? Peut-être que Dieu, dans un acte ultime, pourrait permettre une situation pour vous faire revenir à lui. Pourquoi Dieu ne peut-il pas vous parler directement? Peut-être au travers de ces méditations, peut-être que Dieu vous a parlé. Peut-être que quelques-uns se sont sentis chagrinés sur le fait du péché, sur le fait de l'amertume, sur le fait du non-pardon peut-être. Mais mon frère, ma sœur, ceci n'est pas là pour te détruire. Ceci est pour t'aider, pour t'encourager à aller plus loin avec Dieu, mon frère, ma sœur. Vous savez, nous disons tous que nous connaissons Jésus. Peut-être toi, tu le connais. Mais lui, te connaît-il? Dis-moi une fois, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui pourrait faire dire à Jésus qu'il te connaît? C'est une question qui nous demande beaucoup de réflexion, à toi et à moi, parce que je m'y mets y compris dedans, mon frère, ma sœur. Ne crois pas que je suis juste un enseignant, juste quelqu'un qui est juste là pour faire du blablabla. Non, non, je ne suis pas là pour faire du blablabla, mon frère, ma sœur. Même ces méditations, mon frère, ma sœur, me font du bien à moi. Certains me disent, mais tu es pasteur, et ça change quoi? J'ai deux bras, une tête, deux jambes, des mains, j'ai des émotions, j'ai des faiblesses. Oui. Qui de vous pourrait dire qu'il est sans faiblesse? Une faiblesse, par exemple, que je pourrais prendre, une faiblesse. Qui n'a pas besoin de se sentir aimé? Qui n'a pas besoin de se sentir compris? Qui n'a pas besoin de se sentir écouté? Qui peut dire ça? Il est vrai que tous les matins, depuis le 1er janvier, vous m'invitez chez vous, vous m'écoutez. Mais j'aimerais aussi vous écouter, mon frère, ma sœur. J'aimerais aussi écouter vos témoignages de guérison, de miracles, même de progression, mon frère, ma sœur. Même de témoignages qui vont permettre aussi de dire, voilà, depuis le 1er janvier que j'écoute ces méditations, je suis plus proche de Dieu. Je connais mon Dieu maintenant. Ces études m'ont aidé à m'approcher du trône de la grâce. Ces études ne sont pas faites pour que tu viennes dans mon église, parce que nous avons aujourd'hui des frères et des sœurs qui nous suivent du Danemark, de la Russie, de l'Angleterre, de France, de Suisse, d'Italie. Mais nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent d'Amérique, du Canada, des francophones qui écoutent ces méditations, qui sont à l'écoute du cœur de Dieu. Dieu voit votre besoin, mon frère, ma sœur. Et Dieu a pourvu à vos besoins spirituels et émotionnels et charnels pour la guérison à travers ses études, mon frère, ma sœur. Il a mis à cœur à mon épouse et à moi de faire ses pensées quotidiennes où tous les jours, vous êtes, c'est vrai, on est en communion les uns avec les autres, mais le principal, ce n'est pas que vous soyez en communion avec moi, c'est que vous soyez connectés avec le Saint-Esprit au travers de ces méditations. Et si elles vous ont fait du bien, je suis sûr et certain que vous avez partagé ces méditations à d'autres frères, à d'autres sœurs, et même à des non-convertis, mon frère, ma sœur, à des personnes qui sont malades, et ça les a guéris. Et je bénis Dieu pour ça, parce que Dieu ne regarde pas la confession religieuse que nous avons. Dieu ne regarde pas ces confessions religieuses. Tu peux même donner ces méditations à des frères et des sœurs, à des musulmans aussi, à des amis, à des collègues, à ton voisin, à ta voisine qui souffre. Peut-être tu ne sais pas parler, mais peut-être qu'au travers ces méditations que tu vas lui envoyer chaque jour, peut-être qu'il va y avoir une conversion dans son cœur, peut-être qu'il va y avoir une guérison dans son cœur et dans son âme aussi. Parce que les deux sont des fois bien reliés. Des fois, il y a des maladies que nous avons dans la chair qui sont dues à des maladies dans l'âme. Comme je le disais l'autre fois, nous sommes des êtres spirituels, avec une âme et un corps. Mais nous sommes tout d'abord un être spirituel, avec une enveloppe corporelle, mais avec un être intérieur, mon frère, ma sœur.
Et Dieu veut te bénir, mon frère, ma soeur. Et Dieu veut bénir même tes voisins, tous ceux que tu connais. Alors, mon frère, ma soeur, pour aujourd'hui, nous allons faire une bonne déclaration. Satan est l'auteur de la maladie et de l'infirmité. Je le sais maintenant. Donc, je n'ai pas peur de la maladie ni de l'infirmité. Et je n'accepterai pas de maladie ni d'infirmité. Si Jésus tarde à venir, je mourrai sans maladie et sans infirmité. Au nom puissant de Jésus, je ne mourrai pas de maladie et d'infirmité. Au nom de Jésus, reçois l'onction de Dieu qui descend là maintenant dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ferme tes yeux, sens la main de Dieu, sens l'huile de Dieu qui descend sur ta vie, Dieu qui te consacre là maintenant à être un instrument de guérison pour ta vie, mais aussi pour celle de ton concitoyen, celle de ton voisin, celle de ton père, celle de ta mère, celle de ton frère, de ta sœur, de ton oncle, de ta tante. Sois un instrument puissant entre les mains de ton Dieu. Au nom de Jésus, sois puissamment béni.